partendo dal 1° di luglio, manderà per 2 anni in giro per il mondo l'Amerigo Vespucci, con tappe in tutti i continenti, e in ogni tappa si presenterà il Made in Italy, così come l'accompagnerà l'arte italiana, la cultura italiana, il design italiano. La défense des productions italiennes s'imbrique dans un discours politique qui a coloration nationaliste. Plusieurs cas assez récents qui permettent d'illustrer un petit peu cette tendance à être vraiment sur la défensive quand il s'agit du patrimoine culinaire italien. Par exemple, les réactions extrêmement vives qu'a suscité la publication d'un article du Financial Times récemment qui avait simplement évoqué les circonstances historiques de la naissance de certains plats emblématiques italiens. De mettre en cause finalement la pureté et le caractère purement national de ces plats, de ces produits, a provoqué un vrai tollé. Giorgia Meloni a tendance à défendre l'idée que l'Italie ne défend pas assez ses intérêts nationaux, notamment sur le plan économique. Et que contrairement à d'autres pays, elle fait souvent référence à la France, l'Italie n'ose pas s'engager pleinement dans la défense de ses industries, de ses traditions, de ses savoir-faire, de ses intérêts. Elle a créé un ministère du Made in Italy qui a remplacé le ministère du Développement économique. Donc c'est une question qui est évidemment stratégique et prioritaire pour elle. Del liceo del Made in Italy. Les lycées Made in Italy sont simplement des lycées qui auraient vocation à enseigner à des étudiants se préparant vers ces carrières-là le savoir-faire, notamment culinaire italien. Donc ce serait l'équivalent, si on veut, de lycée professionnel avec une dimension tournée vers les arts culinaires italiens.